Hop. C'est tout bon. Non, c'est bon. Ok. Et bonsoir. C'est parti pour le retour sur Altica avec Marcus. Et merci Host pour le follow. Du coup, enfin, 10 mois d'absence que j'ai pas fait jouer sur Altica. Du coup, Marc, c'était avant 10 mois, du coup. Et c'est justifié. Un petit accident, il y a eu un gros accident au niveau de. Sur le continent en France. Plusieurs semaines de coma. Et quelques mois de. De. Ah! Pas du mot. C'est. Ah! Ça me reviendra. De rééducation, voilà. Du coup. La voiture, je l'ai foutue où? Normalement, je crois que j'ai garé dans le parking là-bas. Ouais, j'ai mis du temps à lancer le stream aujourd'hui, ce soir. Un petit problème avec le SteamSpeak, mais c'est bon, c'est réglé. Avec la V2, voie manche, c'est lequel mon téléphone? Normalement, c'est celui-là. Si je me trompe pas, allonger. Ok. C'est ça que je voulais. Est-ce que j'ai bien. Ouais, c'est tout le monde. Ok. C'est le téléphone. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est la souris. Je sais même pas qui c'est qui reste là-dedans. Normalement, ma voiture. Et. Elle là. Ok. Ma petite VSTR qui m'avait manqué. Et merci. Bonne soirée à toi. Hop. Ah oui, c'est vrai que quand je l'ai sorti, il y avait plein de vitres. Alors, d'après ce que j'ai compris, il faut que ouais, je refasse la carte d'identité. Crois que c'est la mairie. Bon, déjà, essence. Essence, c'est super. Prendre à manger, à boire. Hop. Je pense que j'ai juste baissé un peu le son de la musique. Voilà. Logiquement, c'est bon. Hop. Ah. Je vais reprendre un peu les bonnes habitudes. Après, je sais plus c'est quoi le menu pour le menu véhicule. C'est unique. Non.
garer sur le côté. C'est pour le limitateur parce que j'ai plus les touches. La configuration des touches, Alt-K. Direction forte. Menu véhicule, F7. Ok. Menu F7. Régulateur, on va le mettre à 90. Voilà, ça devrait être bon. Par contre, j'ai eu la chance que j'ai mon véhicule direct dans le bon garage. Parce qu'avec la V2, les véhicules ont complètement changé de garage. Du coup, j'ai eu la chance que j'avais que ma VSTR. Mais les autres véhicules, je crois que j'avais le Riata. Perdu dans un garage quelconque. Et je crois que j'avais aussi. Ah oui, le camping-car. Le camping-car que j'avais pour stocker mes affaires. Faut que je retrouve tout ça aussi. Bah du coup, vu que ça fait des mois que je suis absent, du coup je suis plus à SMS. Faut que je vois ça. Normalement ça doit être. C'est vrai. Je suis plus son nom. Ah, Arthur. Ouais, Arthur Higgs. Le bouchon, ça a bien 2 minutes. C'est sympa. Hop. Tiens, en fait, j'ai combien sur moi? J'ai 800 dollars. De carte. Ah ouais, faut que je refasse les cartes crédit. Carte bleue. Hop, on va mettre de l'essence. Ah oui, c'est vrai que sur le ticket, faut descendre pour mettre l'essence. Hop. Enfin, plein d'essence. Du coup, comme vous voyez, il a des séquelles sur le visage. C'est des brûlures, donc. Voilà. Qu'on noterait plus quand je rencontrais des gens sur les systèmes. Sur les circonstances de l'accident. Ah! C'était le poteau. Hop là. On va se carrer là. On va chercher la nourriture. Hop. Hop là. Alors, on va regarder la face pour une la pouf. Ah bah non, ils vendent dans le. Ils vendent des cigarettes dans le chef ou maintenant. Ok. Non. 5, ça suffira. Et 5. Sandwich, ça devrait être bon. Voir, c'est bien. Tu es doux, sandwich, c'est tout bon. Ok. On va aller chez. Attends, est-ce que c'est ouvert?
Alors, entreprise SRC. Très du quand même ça. Marche nuptiale. On va mettre ça passer. Ok, hop là. Du coup, la SRC c'est ouvert. Merde, c'est l'habitude que ça soit sur l'interaction, soit sur le. Via clavier. Normalement c'est bon, 700$. Ça doit être bon normalement. Je sais plus combien j'avais sur mon compte en banque. Je m'en souviens plus du tout. C'est 30$ quand on chez. Je sais plus. Si, je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça. Il est en train de faire custom ça. Son buggy. Je crois que le mécano est tout seul. Un petit peu.
du sage, c'est normal. J'ai qui? Alex, je sais plus qui c'est. On a le tout. On a. Je sais plus qui c'est. Antoine, ça me dit quelque chose. Je sais plus. Arthur, c'est bon. Aiden. Vert. Bobin, Bosco. Cécile, Cross, Darren, Delphanche. Voilà. Ingrid, Hunter, Jarod, Jesse, Jimma, Leroy. Oh merde. Voilà. Alexa, Désiré, Logan, ça me dit quelque chose. Magrine, Américain, Chat, Cyclé, Nightrigger, Nico. Pourquoi j'ai ça, moi? Ah oui, j'ai encore saut. Oh putain. En plus, ouais. Ah, ok. Max. Rika. Tom Blanchard, évidemment, tout ça. Met du temps là. Ah, mais ils sont pas sont plus là. Ok. Qu'attendre. Ah oui, ils ont rajouté ça. Ah ouais, ok. Je crois que c'est une terrasse, un truc du genre, je crois. Ils ont installé une sonnette. Je crois que c'est une sonnette. Ouais, c'est ça.
Wow, ça a du monde là. One and letter. C'est vrai qu'il y avait la musique. Allons-y. Et merci Os pour le follow. Espiche. Est-ce qu'il y a 4 clics, c'est bon? Ah. Mais ah bah tiens, à qui v'là?
Telle rangée, les gars. C'est ça, mais elle savait pas du coup elle donnait dans la radiation. Mais ça c'est quoi une appel. Du coup merde était un peu dégoûté. Bonsoir. Et bonsoir. C'est à vous ça monsieur Côté? C'est à moi, vu que ça fait un petit moment que j'attends. Eh bah dites-moi. Pour réparer les vitres et faire une petite révision vu que ça fait des mois qu'elle a pas roulé. Ça marche, bah je vais aller ça. Y'a pas de soucis. Il y a un abonnement. C'est quoi ta casquette? Pas mal, hein? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci, Vincent. Et bonsoir. Besoin d'une petite révision? Non, c'est bon, j'attends quelqu'un. Merci. Ok, d'ac. Allez, bonne soirée. À plus tard. Là. D'où je crois. Pardon pour le portière. Y'a pas de soucis. Ouais. Du coup, y'avait que les vitres. Ah, que les vitres, ok, ça marche. J'avais peur qu'elle ait un petit peu de rouille ou comme ça, vu que ça fait. Ah, bah non, elle était impeccable. Impeccable juste les vitres. Nickel. C'est à quel. Non, super. Marcus. Marcus Soigny. Marcus, pardon, vous m'avez dit. Marcus Soigny. S-O-I. N-I. Ok. S'il vous plaît. Attendez, c'est. Ah! Je vois pas le. Appuyez sur la tablette. Cliquez sur la tablette. Ah, la tablette, attendez. Parce que là, il faut cliquer. Normalement, vous avez une petite tablette. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai. Impeccable. Ça a beaucoup changé depuis que. Oui, la dernière fois, j'étais. Comment dire, ça fait des mois que je suis pas venu en ville. Ah, ouais, bah là, oui, y a des changements, ouais. Beaucoup de changements. Allez. Bon, bah écoutez, bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, monsieur? Ça va, et vous? Ah, ça va, ça va. Quoi, la banque? Merde. Heureusement que je la voulais pas trop vite. Ça va pas abîmer. Ça. Ah ouais, ils ont rajouté. Ah ouais. Alors, t'es ça sur la messe banque. Et voilà. Flat mon gars, banque. Sérieux.
Hop. Et là. Ça va pas s'afficher. Ah, c'est bon. Compte. Ah, ouais, ok, je sais, vrai. Ah, j'avais combien? 13 700 et 300 sur 7. Ok. J'ai combien là? Attends. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. J'ai 700, ouais. J'ai déposé 300. Voilà. Ah non, je suis con. Entrée. Transfert. Carte. Nouvelle carte. Non. Ouais, je repars que CB. CB1, voilà. Je sais pas où ça tire. Voilà. C'est bon. Oups. Non, bon, c'est bon. Hop là. Ok. Hop. Thank you.
Ouais. Des services. Ouais, des services. Ça travaille, hein. Ouais, ça va, ça. Ouais, ouais. Bon, après, si tu veux, je peux te donner une explication, mais. Bon, j'étais pas là et tout, mais. Envie de vive voix. Je suis de Corvée de Bourpif, donc si tu veux passer au Bourpif Club. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Bourpif. Je crois que c'est. C'est où oui, déjà? Je sais plus. C'est où Bourpif? Au pire, je t'envoie un point dès que j'arrive. Si oh, ok, ça marche. Allez, à tout de suite. Oh putain. On va aller voir le garage. On va voir le garage là-bas, comme ça. Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon. Hop. Là aussi. Ah ouais, c'est là. Ah ok. Tiens, j'en profite pour m'arrêter. M'arrêter à ce garage, vérifier le. Si je. On va vérifier le là-dedans. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont...
bronzé. Wow. Qu'est-ce que... Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que... Allons-y. Faut que je mette mon... mes armes à l'inventaire au cas où. Si qu'elle touche pour les canoff. Tiens, ça me touche. Attention. Coffre. Ok, c'est bien ça. Ouais, je suis sur le parking là. Attends, parce que ça m'a... Tu m'as dit que t'étais là, ça m'a étonné. Attends, j'arrive. Ouais, ouais. T'es sur le parking ? Ouais, c'est ça. Ok. Attends, juste. Je pense que c'est juste des trucs. Comment ? Ouais. Je suis sur le parking, je te vois pas. Là, il y a des motards qui viennent passer là. Je me dirige vers les camions là. D'accord. Ah oui, je te vois. Salut. Putain, ça fait longtemps là que ça. Ah bah ouais, ça fait un bail. Ça fait un bail. T'es parti, ça doit bien faire 6 mois. Je crois, ouais. Pour te dire. Bon, t'es revenu quand ce soir? Ouais, aujourd'hui, ouais. Ok. C'est déjà ce que t'as envie de faire ou tu reprends un peu contact avec la ville, voir ce qui se passe? Ouais, pour l'instant, je prends recontact, après je verrai. Ouais, tu verras. C'est ça. Bon, bah nickel. Et bah, ça fait plaisir, donc. Ouais, ouais. Tu bosses nulle part pour le moment? Ah, du coup, non. Non, mais ouais, c'était les SMS ton dernier taf. C'est ça. Ouais. Ah, y'a quelqu'un qui allait toucher. Je sais même pas si j'étais là. Déjà à l'esprit quand t'es parti. Ah, si, t'étais un site. Si, si. Y'a une moto qui va être allumée là. Bonsoir. C'est qui celle-là là-bas? Fouille pas les mecs du saut, j'y perds, c'est ça? Ouais, je comprends. D'ailleurs, Gilbert, ton trophée, on savait pas comment tu t'appelais. Hein. Le petit Gilbert. Qui a la moteur du coup? Attends, faut juste que t'attendes les gros parce qu'ils vont. Ah, ok. Okay. J'ai bien fait de mettre dans mon coffre. Ouais, bah oui, t'as raison. Loyauté service. Loyauté service. Putain, y'en a plus beaucoup des gens que je connais depuis aussi longtemps que toi, Marc. Service non, bah ouais. Il est corne, hein. J'arrive pas à vous la montrer. Ah ouais. Ça date, hein. Coucou. J'ai pas besoin de rouler. Il faut la donner. Non, je te reconnais pas. Bah oui. Attends. Bon. Ok, excusez-moi. Fait tout le monde. Vous disiez loyauté service, pardon. Ah, loyauté service. C'est que pour... Loyauté. Attendez, vous avez dit quoi? J'ai pas entendu, ça si parle. Si vous voulez votre carte, vous la donnez. Prospect. Carte d'identité. Mais oui. La carte d'identité. Ah mince, j'ai oublié de la refaire. Première sortie officielle. Ah, c'est fâcheux. Wow. Ouais, c'est fâcheux. On avait déjà fait un truc avec. Je viens juste de rentrer aujourd'hui sur l'île. Parfait. J'ai pas pensé. Ça peut être sympa. J'ai quelqu'un qui a oublié de refaire sa carte d'identité, ça se passe quoi? De la moto. Non, jure. Avec genre un peu de moto. Puis de temps en temps un peu de moto aussi. C'est qui ce monsieur? Vous êtes qui? Monsieur Marcus. Marcus Sony. Vous êtes le Santosien ou monarchiste? Le Santosien. Il le sent aussi, hein. Somme accepted, y'a pas de racisme. Non, pour l'instant, je suis toute seule, mais. Oui, c'est monsieur Soigny, il vient de revenir. Ouais! Du coup, démerdez-toi, avec les policiers, ils vont s'occuper de toi. Ouais.
Oui. Ouais, parce que j'ai oublié de refaire ma carte d'identité en arrivant. Je vais juste faire une couille. Lève pas les bras. Tu peux avoir un filleul, toi? Vas-y, ah, oui. Non, les... Ah, ah. C'est le bazar. T'es dans son secret, là. Ah, sous là. Bah, c'est bon, hein. Tout... c'est ok. Allez, c'est ton arme, machin. Puis je sais que c'est toi, donc vas-y, c'est bon. Merci. Mm-hmm. Ouais, bah oui, conseil, si tu veux. Oh, bon, bon, ouais. Pour tous les participants, faut se rapprocher là-bas. De la place centrale. Regarde dans son cul. T'as un beau cul quand même. Hein. C'est vrai que je suis plutôt pas mal. Putain, mais ils sont. Ils veulent mettre les titres. T'as un boule qui chante. Je vais vous dire. Super. Ouais, super. C'est une balade. Hein? Hein? Quoi, après c'est une balade? Demain? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde. On autorise à venir. Non, c'était pas demain, toi? Quoi, c'est demain? C'est pour demain? Non, mais une balade. Non, je sais plus, j'avais dit un truc, mais il me semble que c'était demain. Ouais, il y a une balade bientôt. Hein. Non, non, c'est pas entre nous. Non, non, il y a une balade bientôt là, le 11. C'est demain. Il y a un truc là, il y a un truc, une exposition. Ah, allez, tu vois, c'est, attends, c'est écrit. Il y a une exposition moto. Ah, mais oui, ah, oui c'est ça. Du coup, il y a eu beaucoup de changements ou... En 6 mois, ouais. Ouais. Un petit peu, quelques heures. Bah, on est indépendant déjà. Ouais, ça, bah, c'est ce que j'avais bien compris. Donc, ça. Bon, en vrai, il y a énormément de trucs qui sont passés. On a changé plusieurs fois de président. Mmh. Ouais, j'ai pas retrouvé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à débrief? Bah, en fait, ça a pas mal bougé niveau criminalité. Il y a des groupes qui partent, qui reviennent, tout ça. Ok. Ouais, la monarchie, bah du coup. Juste que la LS, ça me saoule. Toussaint est roi. Pardon. Hein? Toussaint? Hein? Ouais. C'est ouais, Toussaint est roi de la monarchie. Tu sais que j'aime pas la LS. Depuis le début. Vous l'avez pas dit, mais ça fait des années qu'il est roi. Ah oui, quand quand même. Le Santos est devenu indépendant, il s'est barré en monarchie, il a repris le pouvoir. Quoi. Ah ouais, ok. Voilà, ça c'est quand même une grosse news. Ouais, je suis sur le cul. Hein. Ah, je vais penser. Ouais, bah la tête boue pour le moment. Ouais, pour l'instant je suis doux. Attends, comment il s'appelle? Non, mais. Ah. Ouais. Les entreprises ça a pas trop bougé, il y a juste une entreprise qui a fermé, c'est le T-Gym. Sinon, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y avait. Il y avait les cigarettes et les ouais, cigares qui étaient dans le. Ça a fermé. Les cigarettes. Ça marchait pas des masses. Ouais, ah, ouais, d'accord. Donc voilà, il n'y en a pas d'autres qui ont réouvert. Le LSMS, ouais, enfin, bien. Détective plutôt. Okay. Le LSPD, ça va aussi. Détective, maintenant, je m'occupe du service d'enquête. T'es service. Voilà. T'es service. Hello, t'es service. Et le Fleury, détective. Quoi te dire d'autre? C'est détective toujours. Le Unicorn, ça a changé de patron. Ah oui, enfin, c'est Cassandra est partie. Donc, ah, elle est partie tout, ouais. Oui. Elle a quitté, quitté ouais, Lille. Elle a quitté Lille. Non, il y a beaucoup de ça gens. Ça fait un moment. Lille, Jim, par exemple, tu vois, j'ai plus de nouvelles. Jim? Ah ouais, Jim. Eh ben oui, pareil. On avait commencé ensemble avec Jim. Ah ouais, merci, j'allais là-bas aussi. Moi, je attends, excuse-moi. J'ai oublié. Ouais, mais non, ça a beaucoup bougé. Mais bon, de toute façon, tu verras au ah fur ouais, il y avait moi aussi. Ouais. Déjà, j'ai vu qu'ils ont installé des pubs oui. Sur ouais, la messe banque. Des petites pubs, ouais. Non, ça bouge pas mal. Ouais, j'ai vu ça. Ça commence à quelle heure, Evan? 21h30 normalement, donc ils sont un peu en retard. Ouais, c'est service. Ouais, 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 tu peux déranger Aiden. Dis-moi. Est-ce que s'il y a des gens qui rentrent là-bas, tu peux aller les fouiller à ma place? Ouais, y'a pas de soucis. Super, merci. Vas-y, allez, patron. Ok. Veuillez téléservice. En revenant. Très bien perdu ce soir, hein, ce serait, y aurait rien de honteux. Hein. Bon, ça fait remonter.
J'ai pas accès. De toute façon, ici, il y a toujours, y a que des personnes qui ont gagné. C'est quand qu'on peut avoir nos accès? C'est la demande d'accès. Pourquoi on n'y a pas pensé? Ah putain, mais c'est Marine qui l'a fait donc. Je. Ah! Ah! Morgan! Morgan! Et le test service à ouais, c'est le karma qui l'a rattrapé. C'est le karma qui l'a rattrapé, vous inquiétez pas. Est-ce que Garth est là? Garth est là ou pas? Pas l'air, je l'ai pas vu en tout cas. Est-ce qu'un certain Garth est là? Garth McKinley! Grand Endurant, si ça peut être qu'il s'occupe peut-être Durant. Le ranch est ouvert, on pourrait peut-être leur demander où est-ce qu'il est Garth. Mais il est où gars? Hermie! Mais il est où? Quoi? Voilà. Y'a des paris ou pas? Ouais, on appelle le ranch pour voir où il est Garth. J'ai envoyé un appel au ranch. Ça, mais normalement, oui. Pour Garth. Ah putain! Faut voir ça avec le saut. De toute façon, il va dire s'il y a des paris. Les terribles paris sont grands. Salut Jesse! Service? Hello et tes services? Bah ouais, mais bon, ouais, le problème c'est que j'ai pas tout sur moi, donc si y'en a, je vais chercher. Fais un bail? Oui, je sais pas. Bah ouais, si on a perdu l'avion pour les PPC, y'en aura. Eh ben, ouais, c'est un peu ça. La moitié, quasiment. Viens, je vais parler un petit peu. Alors, on fait le tri. Si m'est arrivé. Et ce que tu nommes. Pour commencer. Déjà, il y avait ma mère qui avait eu des soucis de santé, du coup, j'étais parti partir en France. Ouais. Morte, cancer. Oh, tout ça, tout ça. Après, à un moment donné, je suis revenu sur, je crois, une journée sur l'île. Puis après, je suis reparti parce qu'il y avait encore de la paperasse à faire liée à l'ancienne entreprise de ma mère. Ouais. Et j'ai eu un accident en France. Du coup, pour les participants, je vous nomme et quand je vous ai nommé... Attends, c'est un petit peu plus que... Alors, attends, juste une seconde. Oui. Je suis dans les participants. Ah, t'es dans les participants. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, parle. Ok, vas-y. Du coup, j'ai eu un accident. Un semi-remorque m'a percuté ma voiture pendant que j'étais à un péage d'une autoroute. J'ai eu la chance d'être sorti à temps de la voiture. Ouais, j'ai commencé à prendre feu. Du coup, ouais. Tu vois la brûlure que j'ai sur le visage. Putain, un beau bordel quoi. Voilà. Coma pendant 1-2 semaines. Et après, rééducation pendant plusieurs mois. Voilà, voilà. Ah bah oui. Je sais ce que tu veux dire. Hein. Il s'en est passé des choses en plus. Mmh. Ça fait bizarre quoi, tout ça en gros. Ouais, et puis il y a plein de choses qui se sont passées, on en parlera après si tu veux. Ouais, y'a pas de soucis. C'est un monde là. Attends, du coup je vais monter vite. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est vrai, ça se demandait. Hein. C'est ton champion. Tu as des services. Et tout ça, les participants là? Monte sur la scène du coup, hein, Kramer. Adam. Bah là j'en compte 9. Bah tu participes, Kramer. Tu sais pas compter, Philippe. Je te promets que j'en compte 9 quand même, oui, même en sachant compter. Il y en a bien 9. Hein. Ah merde. Bah, bravo, je tu viens d'apprendre. Y'en a 9. Félicitations. Oui. Comme les. Les deux et 7 nains. Il va falloir en recruter un peu plus. Moi aussi. Oui. 9 boules de cristal. C'est bon, je connais pas de truc. Bon bah, qui c'est qui veut combattre et tenter de se qualifier pour le tour? Ah non, faut que je sois avec des gens, c'est pas bon. Comment ah bah, ça, c'est pas bien ça. Bon, il est pas un combattant derrière. Vas-y, Gogo. Si, si, je suis sûr, il y aura. Bah, au pire, je veux bien, mais bon. Un combattant dernière minute. Allez, vas-y, Philippe, c'est bien. Ouais. Ouais, allez, Philippe, vas-y Philippe, allez Philippe, oui. Philippe. Vas-y, bah, allez hein. Attendez que je regarde. Belle dissuasion. Vas-y, on envoie Tyrann aussi. T'as triche, hein. Vas-y, je me passe le filou, je vais pas réussir à le taper hein. Ah non, il est hors moi quelqu'un en fait.
T'inquiète alors, pas, on s'en occupe. S'il vous plaît, vous êtes gentil, allez pas vous prendre un muscle, on s'y tire tous avant de se bastonner. Je veux pas que quelqu'un se fasse un muscle. Mais du coup, la couleur bien désirée. Ouais, combattez contre Kramer, donnez-lui des grenades. Le t-shirt ? Ouais. Ouais, c'est moi qui ai choisi. Ah oui, ok. En fait, ça met juste la veste. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pris la veste dans le casier au clavier. Au niveau des doigts de pied et après, on lève les bras. C'est très c'est j'ai oublié ce terrible là. Il y a Miko, Jessie, Caillou, Kramer. Ouais, écoute, ce que je fais, c'est que je dépose le bandage, que les gens les aient. Ah bah super, le week-end. En vrai, c'est si, ça pourrait se faire. Un peu plus de temps, et certainement rien. C'est facile d'oublier. C'est de la pommade, et puis je casse la gueule. Oui, c'est pas reconnu. C'est le meilleur du pire. Raon se bat, je peux pas, tu mens pas. Oui, bah écoute. Ok, c'est bon, on est au combat. Oui, mais celui-là va pas de travail. Alors. Ah bah on va commencer par Bagheera. Le premier combat ce sera Bagheera et Jesse contre Jesse. J'ai pas peur de quartier chaud. Putain, c'est un bon métier parce que je vais vous convertir du coup. Il est obligé de s'habiller comme ça pour franchir les barrières. C'est le moment où on dirait la tienne. Des quartiers chauds. C'est du roi. Deux fois. Du coup, on va devoir travailler là après la clé, c'est ça ? Bosser, comment ça bosser ? C'est ça le but ? C'est bon, on a assez bossé là les deux jours. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Ouais. On peut laisser. On va bien voir comment ça rend. Au pire, on laisse pas le poids et continue à se battre. Tiens, normalement, je t'envoie d'ici. Il faut que ça, je bosse une anime. Raon, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on bosse ou pas ? T'as pas de voiture ? Ah. Merde. Si la faut qu'on demande à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a l'air de chauffer un peu. Un mec qui fume derrière, il a l'air de chauffer. Les inspecteurs derrière. Ah ! Je sais ce que les gars. T'as dit. Ah oui, j'ai dit. Non, non. J'ai vu quelqu'un avec une tête de chômeur. Avez-vous faim, soif Luna. C'est une tête de chômeur aussi. Ou envie d'un gros nœud fait exploser. D'avoir fait des trous de cette forme-là dans ta veste. Il y a Frost. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Ouais, de putain, il est en jean, il est trop décontracté ça. Alors, c'est un gros nœud en forme de poux. Avec qui parle avec une pas un bouillie de... Faut pas crier, ah, tu passes s'il te plaît. Ouais. Ah, les fermiers hein. Pas que j'aime pas les grenades ça. Pas que j'aime pas les fermiers. Vraiment chiant les fermiers. Ils n'auront pas trop de merde. Quoi? C'est quoi, c'est en 12 rounds c'est ça? C'est vraiment en BO 25. C'est plus trop long. Ah ouais, ça peut durer jusqu'à 3 heures du match, j'ai tout bon. Bio, 1 milliard. C'est ça. Il y a fait beaucoup quand même. Oui. J'en ai mis. Comment ça? Non, non, pas vraiment. En 2057, on aura peut-être un peu. T'as un mec dans le coma, c'est ça? C'est un ami comme un autre. Allongé. Messieurs, loyer du service. Est-ce possible de se faire appliquer de la les paris qui les prend oui bien sûr. Viens avec moi. Hop là. Hello tes services à tous mesdames et messieurs, bienvenue à cette phase finale du tournoi du BPC organisé par le San Andreas Witness. Donc ce soir nous allons avoir au minimum 5 combats et après on verra en fonction du timing. Non, moi je prends l'argent. L'objectif c'est d'avancer dans la phase finale de la compétition avec pour tenter de remporter je sais plus ce que c'est le gros lot. J'ai un peu oublié, j'avoue que ça fait longtemps que voilà. Okay. Mais sans plus tarder, nous allons donc commencer par le premier match de cette soirée qui opposera Ava, aussi connu sous le nom de Bagheera au niveau de la garde royale, face au Sénéchal MacBlue. Donc tout au long de la soirée, vous pourrez, avant chaque match, aller retrouver mes collègues du saut qui portent des jolis cuirs comme celui que j'ai sur le dos. Ils vous permettront de prendre des paris pour savoir, enfin pour tenter d'empêcher, tenter de remporter un petit peu d'argent en fonction de qui gagne. Donc pariez sur votre poulain et tentez de gagner de l'argent. Et enfin, n'hésitez surtout pas à aller voir nos belles entreprises qui sont ici présentes. Donc nous avons le Yellow, nous avons la ferme. Je vois personne du ranch, mais voilà. En tout cas, vous pourrez manger des délicieux produits de la monarchie. Alors n'hésitez pas. Et en attendant, je vais mettre un peu de musique le temps que les paris se fassent. Nettez les paris. Je suis le plus beau, ouais. On par ici pour les paris. Alors.
Smash. Oui. Tu sais où il y aurait un distributeur? Alors là. Putain. Bah je vais chercher. Je mets où pour l'instant? Ah, ça grille bien. De quoi? Non, ouais. Ouais. Et n'hésitez pas à venir parier auprès d'Aldo. Je passe auprès d'Aldo pour les paris, n'hésitez pas. Jesse contre Baguera. Venez parier. Oui, c'est que Jesse. Bon, les gens, ils ont un fil. Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours semblant de gagner. Moi, je vais parier contre lui. N'hésitez pas à aller parier. Mettez-vous devant moi. Environ 3 minutes pour parier. Bon alors, tu paries sur qui? Baguera ou Jesse McBull, lequel ouais. des deux l'emportera? Tu mets combien? Il y en a 10. Non, non, ils sont 10 combattants donc ça. Allez mesdames et messieurs, plus qu'une minute trente environ avant la fin de la musique. N'hésitez pas à aller parier Ava ou le Jesse McBull, lequel des deux l'emportera. Nous serons très bientôt. Pas des putains de oui. médecins ici. Désolé. Elle a pris une balle dans la jambe. Et voilà. Balle ou un citoyen. Ferme ta gueule. Mettez ça, écartez-vous, laissez les gens faire, écartez-vous, restez pas autour. Les paris a déjà des belles mises en jeu. N'hésitez pas à aller voir Aldo et Nash pour placer de l'argent sur votre des donations. Espérons que la personne au sol aille bien. Des donations. Allez, la petite sur Dash. Qui c'est qui est pour Sénéchal McBull là dans ceux qui sont là? T'inquiète, t'inquiète. Levez les mains ceux qui sont pour le Sénéchal McBull. T'es pour le Sénéchal ou t'es pour Baguera même, hein. Qui c'est qui est pour Baguera là? Levez les mains. Ah c'est... Philippe, sale traître. Y'en a qui votent pour les deux hein.
De toute façon, peu importe, on s'en fout en soi. On verra qui va gagner. Je n'en doute pas, ça va être un beau combat. Est-ce que la madame va bien? Non, du tout. Oui, ça va, ça va. D'accord. Allez-y. Eh bien, je vais voir. Okay, pas de soucis. Eh bien, Aldo, enfin Bagheera et Justin, vous pouvez vous mettre en place, vous écarter un peu, faire un petit saut, vérifier que tout va bien. Impeccable. Dites-moi, vous savez où c'est pour les paris? Là-bas. Alors là-bas? Oui, là-bas, les personnes en rouge et en bleu. Ok, parfait, parfait. Merci. Eh hey Bagheera, n'hésitez pas à les encourager à les ici. Bagheera. Non. Oui. Non. Oh non, il a perdu, c'est fini. Ouais, c'est finito, c'est finito. Ouais. Bravo. C'est très beau. Bagheera. Ça fut un round assez long et intéressant. Espérons que le deuxième ne soit tout autant. Ah, oh, c'est un juste après que les trucs qui sont dans le coin aient fait leur affaire. Il y a plus de trucs. Comment ça, il y a. Comment ça, hein? Ah, si, là-bas, j'arrive. Je crois qu'ils sont en train de finir de s'occuper de la madame qui avait l'air un peu blessée, mais vont arriver. Qu'est-ce que vous en avez pensé de... Magnifique, j'ai gagné de la thune. Ah, et c'est en 3 rounds? Là, pas hein, encore. C'est fini, hein. Oui, hein, c'est pas fini. Hein, j'ai oui, bientôt hein. Gagné de la thune, pardon. Voilà. Et les autres, c'était très beau. Serré, ah. Intense. Comme ma femme. Oh putain. Bah, apparemment, c'était serré comme la femme de Caleb, je crois. Hein, tout ce que j'ai compris. Mais en espérant que le deuxième match soit aussi intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? On espère. Peut-être descendre, parce que c'est vrai que de là-haut, il n'y a pas tout le monde qui doit m'entendre. Bah devant, oui, mais derrière, peut-être un peu moins. C'est quoi, remonte caillou, je vais te dire jusqu'où on t'entend. Vas-y. Est-ce que tu m'entends encore? Ouais, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Moi, je te sens, caillou. Ouais, bah ouais. Hein. Ah bon, en fait, on m'entend super loin, bah c'est parfait. C'est vraiment incroyable. Je crie assez fort, c'est bien. Ah bah impeccable, elle avait appris sa pose de crème. On en parle. Juste avant. Est-ce qu'ils ont fait leur petit saut? Oui, je crois. On vient de le faire, chef. Impeccable. Et bah comme d'hab, au troisième coup de l'action, et c'est parti. Point. Oh, juste à l'arbre. Point. Point. Ah, on en parle de là. Voilà. Voilà. Oh, c'est esquive. Allez, Bagheera! Oh! Aïe, aïe, aïe. Voilà le troisième round qui va devoir être joué, puisque c'est McBull qui a remporté le deuxième. Aïe, aïe, aïe! Il s'est bien rattrapé. Il a retroussé les manches. Il lui a dit: écoute, moi je suis sénéchal. Toi, t'es gendarme, je vais te montrer ce qu'un sénéchal ça vaut. Hein. Bon, il a gagné le deuxième, maintenant on va voir le troisième. Ça, c'est bien, j'aime bien le match en 3 rounds. Moi, ça fait durer le plaisir et le suspense. Comme ça, les gens savent pas s'ils ont gagné leur argent ou pas s'ils ont perdu. Celle-là a été énervée. Est-ce que les combattants peuvent se rapprocher? Les combattants peuvent se rapprocher un petit peu, oui. On les fera se rapprocher, effectivement. Trop près et que Jesse aurait pris sa dose de crème, il ferait se rapprocher pour le combat suivant. C'est vrai que c'était peut-être un peu loin pour certains. J'ai de mauvais yeux. Ah. C'est bon, tout va bien, petit saut.
essayer de vous battre un petit peu plus proche du bord pour les choses. Ah, je vais m'écarter aussi alors. On va tomber, c'est dangereux si on tombe. Ah, mais pas trop, pas trop. Bon, allez, au troisième coup de klaxon. Bien dans le camion. Point. Point. Quelle efficacité, c'est beau. Aïe aïe aïe. Même aïe, si aïe, 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 aïe. Hygiéniquement parlant c'était pas ouf mais ça passe. Eh Bagheera. Vas-y Bagheera. Ouf. Allez. Ouf. Encore. Aïe aïe aïe. Non. Non. Waouh. Et c'est une très belle. C'est un sacré coup dans le tibia ça. On peut tous féliciter. Tout comme Ava, même si elle a perdu, elle s'est très bien défendue. Par ici, pour les gains. On peut les applaudir très fort. Par ici. Bravo Bagheera et Jisti. Aïe. Du coup, ceux qui ont gagné, ceux qui avaient parié sur Jisti, n'hésitez pas. Et voilà monsieur. Bah là c'est Nash qui est en train de s'en occuper pour récupérer vos gains. Ça vous mettez bien tous les deux comme là. Ça, bah ouais, si vous avez gagné plein de thunes, bah vous survivez. Bah, et vous pourrez parier sur le prochain match. Prochain match qui opposera roulement de tambour. Bah oui, j'y avais. Mikko, membre garde royale, ancien TJ, il est membre très honoré du saut puisqu'il est road captain qui affrontera. Meryl Stark, alors je crois qu'il est lieutenant du LSPD. Ah, maintenant. C'est toi qui prends l'argent là. Il a bien monté les échelons. Il est sergent. Mais j'ai dit qu'il y avait un. Félicitations. Merci. C'est vrai, ça. Ouais, je peux prendre l'argent aussi. Mais oui, c'était le but, c'était que toi tu notais plus. Pendant ce temps, Gilbert et moi on alternait. Wow. Ouais, t'as raté pas. Ah ouais. Si on est passé des choses depuis. Ah bah ça. T'es passé voir des gens avant entre temps. J'ai envoyé un message à Melric, Rick. Ah. Y'a ma mémoire qui me fait des tours. Rick, c'est bien. Rick, ouais. Alors, quand t'es parti. T'as perdu ta place de directeur, ça je crois que t'es ça, ça là. Je suis au courant. C'est moi qui l'avais récupéré. Derrière, j'ai quitté le SMS. Ça je sais, c'était pendant que je suis revenu pendant une journée ou deux. Je l'ai appris là, que t'étais parti chez les trucs. Je suis devenu truc, aujourd'hui je suis sénéchal truc. Félicitations. Derrière, c'est quand je suis parti, j'ai mis Riggs à ma place. Donc Riggs était co-directeur avec chez Melric. Riggs et Melric est parti au gouvernement en tant que ministre. Ok. Et Melric est décédé. Quoi ? Accident de voiture. Dysfonctionnement ou je sais pas quoi, sa voiture, hein, sa bestia a pété, donc lui avec. C'était arrivé quand, à peu près? Il y a au moins un bon mois, je saurais plus te donner la date exacte. D'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est toujours Riggs, le grand directeur du LSMS, et il a appris les nicks en co-directeur. Je pense que t'as peut-être connu Nick un petit peu. Oui. Oui, j'ai connu un petit peu, ouais. Et bah maintenant il est co-directeur avec Riggs. Ok. Ah bah il s'en est passé des choses depuis. À part ça, il reste qui je connaissais. Ouais, les SMS. Ouais. Friggs, Nick, c'est tout. C'est tout. T'as peut-être connu Otto, je
sais pas. Auto, ouais, ça me dit quelque chose. Alors peut-être que toi tu l'as plutôt connu à la Orange. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Bah il y a Auto qui est là-bas, mais sinon, et je pense pas que t'en connaisses plus. Rex était reparti, était revenu puis reparti. Ah ouais. Et Morel, pas une nouvelle depuis très longtemps. Ah ouais, quand même. Je sais pas où ça en était, de toute façon avec sa maladie c'était compliqué. Mais on a que... Ça fait déjà pas mal. C'est plus grand monde. Ouais. Ça fait beaucoup à digérer. Ah bah après une si longue absence, ouais, il s'en passe des choses dans les choses vont vite par ici. Ouais. Je sais, bah du coup elle est indépendante. Ouais, ça je sais. Charmant tous un roi de la monarchie. Ouais. Ah, il s'en est passé des choses. Hein. Tiens, parlons du loup. Allons-y. Enfin. À part ça, de ton côté, hein, tout se passe bien chez les trucs. Ah bah, je suis sénéchal. Ouais, ouais. Tout se passe plutôt pas mal. Ah, ce petit souci, je sais pas si t'as regardé un petit peu ce qui se passait quand t'es arrivé. Bubur ouais. Nous a quitté hier soir. Ah bon? Tu te rappelais de Bubur? Oui, je me rappelle. Et bah, il nous a quitté hier soir. Ah ouais. Ah, il s'est pas passé que des... C'est pas passé que des trucs joyeux. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup d'informations. Ça c'est sûr. Ouais, avec ce retour, toi tu sais ce que tu vas faire? Pas du tout. On va voir si déjà j'ai fait. Voir si Riggs me répond. Et après je vais voir. Ah bon, en ce moment il est plus souvent là donc il y a moyen, j'ai envie de te dire. Là je dois faire ma carte d'identité. Je crois qu'il y a aussi. Je sais plus, il y a aussi le. Ah, permis par d'armes qui est plus valide, je crois aussi. Ah, il est peut-être plus valide le tien. Ou ouais, si, tu l'avais passé depuis qu'il était à 2500 ou pas? Je crois. J'étais encore. Je crois que j'étais directeur, je crois. C'est passé. Oui, c'est plus que j'étais chef médecin à ce moment-là, je sais plus. Ouais. De son val à l'Espidi et ils te diront si t'es dans le registre ou pas quoi. Ce qui est, c'est que tu l'avais passé à l'époque des 2500, ce qui est pas, c'est que tu l'avais pas passé à cette époque-là et il faut que tu repasses. Faut aussi que je retrouve mes autres voitures dans les garages hein, aussi. Je sais pas où le garage est, les amis. Ah, le type de la fourrière s'est fait plaisir, on est marre de voir des trucs traîner alors il les a éparpillés un peu partout pour faire de la place, mais ça fout la merde. Ouais. Faire un petit tour et tour à tour. Ouais, c'est ça. Tranquillement. Bon, bah, de toute façon, il y a que ça à faire, hein, faire un tour tranquillement, voir ce qui se passe. Ouais. Mais, tu verras, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, j'ai ça. Et par exemple, de gens, des petites publicités sur les affaires par exemple. Ah oui, oui. Je suis toujours pas allé les voir, on en a parlé, mais j'ai toujours pas allé. Hein. Comment dire, on les voit de loin. Il paraît que c'est plutôt sympathique, ouais. Je croyais aussi. Il me semble avoir vu des lumières au niveau de l'aréna. Ah, peut-être soir de match. Ouais. Enfin, je me renseigne pas sur le sport, quand c'est tout ça. Ah oui, c'est sympathique. Qui a trouvé quoi faire maintenant que c'est ça qui est compliqué. C'est ça. En tout cas ça fait plaisir, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu un message de... J'ai fait mon téléphone, je vois un message de Soigny Marcus, je fais quoi? Comment ça?
fait une vanne, c'est pas possible. Je parie que plus de la moitié de mon répertoire, ils sont plus là. Pour te dire, j'ai encore le numéro de Richard. Oh bah ça, des numéros de... Les numéros de gens décédés, j'en ai un paquet pour le coup. Je fais très rarement le tri. Ouais, tout ça, ça commence vraiment à remonter quoi. Tiens, en fait, Bjorg est toujours capitaine de l'SPD en fait. Ouais, côté l'SPD, Bjorg est toujours capitaine. Son frère est toujours lieutenant. Puis t'as pu voir le deuxième lieutenant. J'ai appris qu'aussi que Cass s'est barré de l'île aussi. Cass ? Ouais. D'après. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Ouais, d'après Eden, apparemment, elle est partie de l'île. Allez, rechercher si je dis pas de conneries. Ah bon ? Allez, rechercher. Bah, disons qu'on l'a pas vue depuis très longtemps et qu'elle a toujours les parts du unicorn. Ah ouais, quand même. Et du coup, bah, il essaye d'avoir un contact là. Essayer d'avoir un contact là-dessus pour voir, mais c'est compliqué quoi. Ouais, je comprends. Petit service par là, non ? Comment ça va ? Et ouais, ça fait un beau bordel quoi. Mmh. Ouais, dans la plupart des entreprises, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, je sais. Il y a le gym qui a fermé. J'ai vu ça. Ouais, le gym a fermé en effet. Pour le coup, quand je suis arrivé, je me suis arrêté une supérette. Ça m'a fait. Ça fait bizarre de voir les cigares et les cigarettes en vente. Ah bah, vu que le gym est plus dirigé par des grands cons, ils ont plus le droit de vendre eux-mêmes, donc ils passent par à coup. Ouais. Okay. On préfère faire du business avec Apu qu'avec des gueux. Il a bien raison. C'est ça. T'as encore un combat hein? Ou... Je sais pas comment ça se passe, si c'est un par session ou pas. Je sais absolument rien. Si. T'as pas que tu pars tout de suite, vous recombattez une deuxième fois pour vous qualifier. Ah bah. T'as ta réponse du coup. T'es prévenu. Ah bah, nickel. Il venait juste de me demander si j'avais un autre combat. Ah bah, oui. Tu vas repasser une deuxième fois donc voilà. Toujours pareil okay. Ah, ou est-ce qu'on va changer? Je sais pas, je vais voir, je te dirai. Ça pourrait être intéressant de changer, je pense. Ok. Enfin. J'ai vu qu'il y a le Perse qui avait déménagé aussi. Ah oui, ça fait si longtemps. Oui. Ah oui, le Perse a déménagé. Ah putain, oui. Si tu l'as bien connu, le Kars qui a déménagé là-bas. Je crois que j'avais entendu vaguement parler quand j'étais de retour pendant 2-3 jours, mais... Parce que pour le coup, ça fait vraiment longtemps le Kars. Du coup, Rudy... C'est Rudy ou c'est Rudolf? Je sais plus à chaque fois. Celui qui a le Kars, c'est Rudolf. Rudolf, ouais. Ça fait un moment que... Il est toujours là? Oh oui, il est toujours là, mais il est peut-être même dans le coin, non? Non, il est peut-être pas là ce soir. Et oui, Rudolf est toujours là. Kars, ça a pas réellement bougé la direction, c'est toujours les Castelli avec Rudolf. Donc, pas changé. C'est l'une des entreprises qui bouge. Je crois que c'est la seule entreprise qui a pas réellement bougé du tout d'ailleurs. On reste sur des valeurs sûres, une équipe qui gagne. Tiens, en fait, ils ont enfin changé les tenues du LSMS ou pas du tout? Oui, ils sont tout beaux. Ah oui? C'était... Oui. Du coup, c'est vraiment... Elles sont plutôt pas mal.
Les directeurs et chefs médecins ont une belle sorte de... un long manteau. Ah, une blouse. Ouais, mais en plus joli, ça fait plus manteau que blouse pour le coup. Ah oui, je vois, je vois. Et les internes et les médecins ont des tenues avec marqué interne et médecin sur le dos. Des petits t-shirts, plutôt sympathiques. Oh. Pas mal. Pas mal, pas mal. L'avion qui m'a fatigué. De quoi? Non, le voyage en avion. Ah bah tu m'étonnes, et puis surtout avec tout ce que t'as... Ouais. Tout ce que t'as rattrapé, toi. Ouais, ça. T'as tout un monde d'informations qui arrive, tu m'étonnes que tu sois fatigué et que t'aies du mal, hein. C'est tout à fait logique. En plus, je suis pas complètement remis de mon accident, donc... Ah bah en plus. Mm. Enfin, un beau bordel, quoi. C'est ça. Je préfère... Bah, d'ailleurs, dans ce que t'as manqué... Ouais. Alors déjà ici on est en zone neutre. C'est une zone neutre? On est en zone neutre ici. Ah d'accord. Et surtout regarde où est le ranch. Regarde ton petit GPS où est le ranch. Bah la part jouée a pas bougé là, c'est... Toujours au même endroit. Ok, regarde où est la frontière du ranch. Toujours aussi bizarre la frontière. Elle a pas changé la frontière. Ça fait une sorte de triangle, je sais pas pourquoi là. Ah, oui, oui, bah oui. Oui. Alors, le. Ouais. Le ranch chez monarchiste. Ah, d'accord. Oui. Alors je sais pas ce qu'elle fout là. A mon avis les sociétés de GPS ont eu un petit souci. Ah oui. Mais oui, le ranch chez monarchiste. Mais du coup... du coup toute la bouffe qui est fournie, c'est monarchique. Bon, il reste la LRM. Ah oui, il y a la LRM aussi, c'est vrai. C'est bouffe du poisson si tu veux bouffer sans tessia. Mais grosso modo, ouais. Tu devrais pas te rapprocher pour savoir comment tu vas combattre. Oh, j'entendrai bien. Puis on me gueulera en radio. Bah oui. Mais voilà. Les choses changent, les gens qu'on connaît changent. Ouais. C'est bizarre de te voir y repenser, quoi. Ouais. Tu en fait, Jared, t'as pas eu de nouvelles de Jared? Pas depuis qu'il était parti. Ok. Bon, pas de nouvelles de Jared, pas de nouvelles de Morel et pas de nouvelles de Rex. Ah bah ah, c'est vrai qu'il était parti, c'est vrai. Qui ça? Il me semble Rex, non? Je sais plus. Bah Rex, à ton époque, il était parti à la Lespidi. Oui, il était à la Lespidi, ça. Après que tu sois parti, normalement, il est revenu chez nous. Mm-hmm. Et après, on n'a plus de nouvelles. Ok. Ok, ok. Non, je suis sur tous les gens de l'époque du LSMS, il reste que Rix. Mm. Surtout le LSMS qu'on a connu. Ok. Bon. C'est vraiment triste, le dit comme ça, mais c'est... Ouais, c'est... C'est le cas pour le coup.
Les anciens, il n'y en a plus beaucoup. Non. Ça donne vraiment un coup de vieux de dire ça comme ça, aussi. C'est ça. Hop là. Waouh. Oula. Pardon. Mimine, prend de l'air. Il se passe des choses. Ah, ça va. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais plus. Ah bah du coup, ouais, il reste plus personne que je connaissais au Nikon. Enfin, si, il reste Aiden, mais il est plus... ça fait un bail. Ah bah non, Aiden, il est plus... Il est retourné au Nikon. Je crois qu'il reste que lui qui... que j'ai connu depuis le Nikon. Pour information... Ceux qui ont perdu, vous pourrez faire un... J'ai pas entendu la fin de sa phrase. Il parlait pour les combattants, je crois. Ouais, pour les perdants, je crois. Enfin, c'est d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est un peu comme entendu. Et donc, t'as connu Unicorn, ouais, y'a personne en soi. La plupart des gens du Unicorn sont à peu près nouveaux. Mmh. Du coup, c'est Guy, le président. Président, bah là tu viens d'avoir une belle annonce il y a 10 minutes. Mmh. Il a démissionné donc c'est Sénateur qui reprend le rôle de présidente. Je connais pas. Je sais pas si elle était là à ton époque ou sinon elle était taxi à ton époque peut-être. J'ai dû la croiser peut-être. En tout cas, ça me dit rien. Non, mais je pense que t'étais déjà parti quand elle est arrivée. C'était qui le président précédent? Printemps. Printemps? Printemps. Et hein? Il s'en est passé des choses. Hein. Oui. Bah si j'étais revenu à ce moment-là... si j'étais revenu... Bah, en soi, quand je crois quand je suis revenu, je crois... 2-3 jours, ça devait être printemps. Hein. Ouais, mais j'ai pas un... Printemps président et Maelric était ministre de la Santé. Ah, ministre de la Santé. Ouais, quand même. Bon. Je pense que je vais pas tarder à y aller, moi. Bah mais calme-toi Mimine putain. Et bah écoute, ouais, bonne chance pour trouver ta voie maintenant. C'est ça. Bon, si Alex est pas la soirée, elle doit être là demain, je pense. Ouais. En ce moment, il est beaucoup plus présent le soir qu'il n'était avant. En fait, pour te prévenir, si tu me cherches la semaine, je me repose, donc je suis plus là le week-end. Ok, ouais, pas de soucis là-dessus. Non, au cas où, si tu me le cherchais. Oh, c'est bon à prendre, je note. Ok. Bon, je vais refaire ma carte d'identité. Yes. Allez. Prends soin de toi. À toi aussi. Et vive le roi. Et vive le roi.
peu les vis sont cassées. Bon, je m'en préoccupe. Hop, dernier. Hop. En sens, c'est bon. Ok. Non, l'info à caisser. Ok. Du coup, Melric est mort. Ok. Je savais qu'il était plus sur le serveur, mais je savais pas qu'il était mort. Bonsoir. Et bonsoir. Ouais, ouais.
parking par là-bas. On va aller voir ce parking. Ici. Donc, je vais aller voir ce... C'est du chômage. Ok. Activé. Hop. Voici encore un. Après, je crois que j'ai fait. J'ai mis sur le vestiaire. Rien. 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 Je n'ai pas encore essayé. Alors, celui-là. Allons-y.
bronzé. Hop, rien ici. On va essayer un dernier. Je suis le dernier de. Un circuit d'essai. Ah bah tiens, tant que je suis, je vais checker la foire. C'est normal. C'est la carcasse de moto. C'est normal.
on sait là-haut. Sur le j'avais quoi là-dedans, je sais pas ce que j'avais là-dedans. Ça sera ça. Hop. Juste le sortir un petit peu de Rietta. Il me semble que je l'avais pété, il me semble. Attends. Ouais, c'est bien ça. Il y a pas de menu synchronisation. Ok. Ben, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Et je vous dis une bonne soirée. Et à la prochaine. Des bisous.